AFK ou Holmes? AFK, c'est bizarre, non? Bah, AFK, il y a des trucs, hein. Il y a les Murlocs, il y a les Quillbore. Il y a les démons. Ouais, j'aime bien AFK dans ce setup. Si par exemple t'as lui, c'est cool, t'as une belle tempo. Le Scourfine aussi, quoique le Scourfine est bizarre si t'as pas lui. C'est l'heure de monter en selle. Il y a le bouffon. Bon, les morts vivants, c'est naze. En LM, il y a rien. En fait, c'est LM et Undead, il y a rien. Après, en démon, il y a des trucs sympas. Quoique... Ah, c'est plus des histoires de combinaisons de cartes. Ce qui peut faire un peu peur, mais... Oh, une embuscade. J'ai déjà vu pire. Salut mon Capicon, je tiens à te remercier Fish avec HelloFresh, tu m'as donné l'idée d'aider mon fils et sa copine en leur prenant un abonnement de 5 repas pour 2 par semaine. Du coup ils choisissent ce qu'ils veulent et je les aide, la bise. Ah bah chouette. Bah tu manges bien pour pas cher. Et en plus c'est agréable de cuisiner parce que c'est des recettes pas très compliquées et dignes de très bons restaurants. Ouch. Dégueu. Ah. Mieux que menteur, hein. Menteur, ça mange, mais... Fourageur, c'est quand même cool. Sur Vert de Mer, c'est pas mal, hein. Comme ça, à un moment, je vais le jouer, il sera gros. En vrai, j'aime bien l'idée. Il n'y a juste aucune cohérence. Mais bon. Je pense que c'est quand même ok. Par contre, je perds de l'argent, quoi. Prochain tour, je re-up. Hein. Faut aller vite. En général, le but de cette curve, c'est d'aller vite taverne 3 quand même. Oh, une embuscade. Ah. Plus vous cherchez ça des c'est bien. De lui il aime bien up sur ce pattern. Vous voyez, cet endroit avait juste besoin d'un bon coup de balai. Lui il aime bien up parce que c'est un 5 plus 1. Ça rentre bien dans sa curve. Logiquement il est censé le faire même s'il a pris des dégâts. Il faut qu'il le fasse, c'est important. Hein. C'est pas parce qu'on a perdu le combat qu'on doit pas respecter notre pattern. C'est bien parfois de s'en éloigner, mais avec des persos comme ça, je pense que ce n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable pour lui comme pour moi. Parce qu'il va me mettre des dégâts. Et en plus, il va casser un peu sa curve. Donc, c'est perdant-perdant, là. Ça peut faire égalité, non. Si ça pouvait, il fallait taper là-bas. Enfin, il y avait des spots, quoi. Il y a un monde où on re-up, non?
C'est tentant, mais c'est un peu grid. Les joueurs, ils up pas. Hein. Ouais, mais... Ok, bah... Le problème, c'est que je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Aussi bien, tu te dis juste coucou pour dire coucou. Allez, je lui fais confiance. Après, il y aurait un monde où on le joue, lui, hein, en 8-16. Hein. Là, le fait qu'il up, logiquement, on a quand même une 10-10, plus une 7-4, ça devrait être ok. Surtout qu'il a pas vraiment de pouvoir. Mais il y a un monde où si jamais il ne faisait pas le up, je pense que je l'aurais mis en 8-16. On a affaire à un homme de parole, ouais. Bah après, parfois, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas de parole, c'est juste qu'ils ne comprennent pas le langage de Battlegrounds. Ça peut arriver, hein. Surtout que moi je stream, donc il peut dire hey, c'est Fichou, hey, j'ai regardé son live la dernière fois, hey, salut Fichou. Et toi tu dis ah, on hop, ok. Et lui en fait il a juste dit coucou quoi. Et il te met 15 derrière. Un coucou à 15. Ça fait arrêter de partout. Bon c'est dégueu là. Plus 3, il n'y a pas mecha, c'est naze. La roue hein. Ou tête branlée. Non, la roue, je dirais. Oh, la roue, j'aime bien. Ah, on a doré une carte. C'est pas mal. C'est pas une bonne carte à dorer, mais c'est pas mal. Aussi, c'est une bonne carte à dorer, mais bon, il y a quand même assez peu de chance quand... Quoique. On est tellement mieux sur les ponts. Urzul, c'est un peu... Bongo ? En vrai, Bongo, ça stat. Hein. Puis on a un jet. Si jamais on trouve un setup un peu Uran. Urzul, on est d'accord, ça sert pas dans ce setup. Ouais, j'aime bien Bongo. Faut le jouer. Hein. La question, c'est est-ce que lui, on le joue? Je pense qu'il faut. Hein. 10-20, quand même, c'est important là. On s'en fout d'un plus 2, plus 2, de plus. Hein. Urzul pour protéger. C'est un 4-6, ça protège que dalle. Même si on le garde en main. Non, non, on cherche pas à protéger là, on cherche à gagner le combat. Faites-vous pas avoir par ce gars-là. Il est à 24. Non, je pense que ça se joue. La brise marine s'en endort. Je pense que ça se joue. Il a un gros board, dis donc. Ne vous en veuillez pas trop. Bon, on a le Peaky Priper. Carte dorée, ça me va. Ouais. Qui ose venir trembler le sommeil ? Ah, pas mal ça. Je pense qu'on va partir en Uran. Hein. Il y a Montgolfier avec ça, ça marche bien. Il y a le Priki. Allez, pour une fois, je déteste la compo Uran. C'est pas que je déteste, mais c'est que c'est pas évident à jouer. Mais là, je pense que c'est ok. Le sol, il se rapproche. En fait, je peux virer ça. Là, ça me donne un Uran. Un 2 Uran. Ah. Ça en plus 1 plus 1. Un peu greedy en plus 1 plus 1 ou pas? Je pense pas. Je prends lui. Ouais, il y a un monde où je le garde en main. Non, pour lui. Pas confiance non plus. Non. Sur lui, non? Non, sur lui. Oh, une
Je pense que je suis pas mal, mais... Pas non plus... Oh, de toute façon, j'étais derrière. Pas de regret. Mais... Ah, zut. Ok, ça fait des petits dégâts, hein, des petits coups à chaque fois, c'est chiant. Ok, bon, on va... Ah, s'il vous plaît. Ok, bah dans ce cas-là, je peux peut-être up, vu qu'on joue contre le décédé. Non, pas manger. On s'en fout de manger. J'ai envie de prendre le taunt juste pour protéger ce gars. Il y a un monde assez obscur où je veux à tout prix faire l'effet parce que c'est dingo. Vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez me dire oh non, on fait pas ça, fiche. Si, je vais faire ça, fiche. Même voir ça, hein, c'est un double taunt, hein, en vrai. Hein. C'est vraiment l'idée de protéger ce gars. Hein. Par contre, je veux pas lui mettre des trucs dessus, faut pas déconner. Et on fait comme cela. Et là, je perds le combat. J'ai l'air d'un gros connard. Ah, je perds pas. Ah, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. À une draw près. Ah, la game se joue là-dessus. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut encore gagner le prochain combat. Vous obtenez un guetteur montgolfier au début de chaque tour, vous obtenez 3 gemmes de sang. C'est pas mal, hein. C'est fat, hein. Je peux geler. Hein. Ah merde, faut le jouer 3 fois. Non, j'ai des belles gemmes quand même. 4-2, c'est pas mal. Je pensais que j'étais devant, mais il y a le bibelot qui est chiant. Ok.
suis pas trop mal, hein. Je suis ok, quoi. Pas fou, mais ok. Prends déjà l'info avec ça. Pourquoi le sol il se rapproche ? La game. Pas mal la game quand même, avec ça. Mieux. C'est pas atteint. À qui on peut se fier. Oh. Ah. Ça, avec... Ça, c'est ok, hein. Avec les hip-hop. Après, il y a aussi Phylactère et on joue qu'à 6 créa. Par contre, la créa qu'on mange, elle est énorme. Ajout de qualité. C'est quoi qu'on va manger là? C'est lui? Ça revient un peu au même, hein. C'est lui. C'est gros, hein. C'est compact, hein. C'est très 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 compact, hein.
pense que si mes gemmes avaient été 5-5, j'aurais gardé Dvorak. Mais là, j'ai l'impression que les gemmes, elles sont ok sur un agem comme ça, mais pas assez pour jouer avec Dvorak. Ok. Ça, ça peut être pas mal, hein. J'ai que des stats de fou. Ouais, c'est monstrueux. Ok, bon, faut générer, hein. Je vois que ça, hein. Est-ce qu'il faut up ici? J'ai pas l'impression. Ennuyeux là-dessus, aussi. C'est fat, hein. Parce que là, ma plus petite créature, c'est lui. Non, c'est lui, c'est 103. C'est le moins de PV, hein, c'est ça. Donc ça donne... Ajoute toutes mes créatures, 257-103. C'est énorme. Hein. Tu pouvais pas up, tu joues contre Undead. Si, je pouvais up. Mais c'est... Pourquoi up, Filkas? Finalement, si je up, ça me demande 6 mana. Est-ce que je vais faire des choses avec ces 6 mana? Est-ce que je peux faire des trucs mieux avec ces 6 mana? Je pense que oui. Et surtout, derrière, je suis à 26, je joue quoi? À part triplé à game. Mais la probabilité, elle est presque inexistante, on est d'accord. Finalement, les cartes de ta 26 ne m'intéressent pas. Je n'ai pas envie de rentrer un Charlaga, je n'ai pas envie de rentrer des cartes de ta 26, dans le sens où je joue principalement avec la fille l'acteur parfumé. Tu vois? Donc à partir du moment où je joue avec ça, bah finalement, toutes les petites cartes ne m'intéressent pas. Donc je préfère rester en 5 et essayer d'aller chercher par exemple la T24 qui donne 4 gemmes en main. Voilà. Quand vous faites une action, c'est comme dans la vie. Quand vous faites quelque chose, il y a une réflexion derrière. Vous faites pas quelque chose impulsivement. J'ai bugué. Vous voyez? Impulsive. C'est vraiment un mot de merde, ça. Ok. Il se tue pas, les cons. Ça fait un radet de partout à la fin. Ça peut être ok. Ouais, de manière impulsive, quoi. Un nouveau pouvoir. Non, j'ai pas envie de découvrir un nouveau pouvoir. Dvorak, ça m'intéresse pas. Chaque gemme, je la prends. Hein. Chaque gemme est bonne à prendre. Hein. Incarnation, c'est cool. Je le revends tout de suite pour essayer de le récupérer. Après, il y a le pouvoir avoir des gemmes, mais... Oh non, non. Voilà, super. Ah. Non, mais je gèle, hein. Tain, c'est incroyable, il y a ça et ça. Impulsivement, mais c'est pas évident à dire. Hein. Non, je garde mon pouvoir, hein, c'est vraiment la clé. Après, ouais. Hein. C'est quoi qu'on va manger? C'est lui? Non, c'est lui. Bon, de toute façon, j'ai du steak, hein. Mon tour 13 est énorme. Mon tour 13 est monumental. Il y a un monde où on peut perdre, mais si on perd, c'est contre quelqu'un d'exceptionnel. Là, contre un très bon joueur, on ne perd pas. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est pas très bien, c'est exceptionnel.
Enfin voilà, l'idée c'était de vous dire que quand vous faites une action dans le jeu, il faut qu'il y ait une réflexion derrière. Il faut toujours de la théorie. Même si c'est une théorie très mince, du style j'achète ça parce que ça m'évitera de perdre le combat. Parce que ça m'apportera un peu de tempo. Même si parfois la théorie n'est pas forcément bonne. Mais voilà, ça c'est important. Pas manger, pas manger. Pas manger. Okay. Pas manger, pas manger. Lui il joue quoi? Des démons. Eh, démons, il y a moyen. En stat. Filetzi. Filetzi, ça peut être assez bien. Avec ça. Non plus. Ça fait la bagarre, hein. Ça fait vraiment la bagarre, un board comme ça. Faut être dingo pour pas mettre Leroy de côté. J'ai pas l'impression que Leroy sont importants ici. Pourquoi Leroy? Je joue avec Tamsin. En fait, j'ai fait vraiment une game sur Tamsin. J'ai construit. En fait, j'ai considéré que c'était le play à faire de construire avec ça. Vous voyez? C'est pour ça que c'est un jeu d'adaptation. On s'adapte à la situation et on... Alors que Tamsin est un perso, un des plus mauvais persos du jeu. Mais ici, c'était la chose à faire. Bon, par contre, il a un board un peu chiant. Et j'ai pas besoin d'autant de stats, non, contre lui. Il y a peut-être un monde où il n'y a pas forcément besoin de remanger une créa. Mais plutôt... un Faerix, non ? Mon board il est énorme, hein. Il a pas de stats lui. Je crois que je vais changer, je vais découvrir un nouveau pouvoir. Ça peut le bloquer. Fire X, je crois. C'est bien. Un ajout de qualité. Ça peut être pas mal aussi hein, en start. Hein. Non, Fire X c'est mieux, je crois. J'ai l'impression que ça fait plus de magie. Ouais, why not? Ah, on peut en mettre sur Fire X. Mais pas trop. Ok. Vous allez pour cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. En fait, la question c'est est-ce que de toute façon eux ils vont pas décéder? Les deux là. En fait, eux ils vont décéder. Donc je crois que je vais greffer sur Faerix. Mais je veux quand même qu'ils aient un peu de stats. Et comme ça, je vais recontinuer derrière comme cela. Vous voyez? Je mets ça first. Oh, magnifique. Là, je joue 100%. Voyez, on est à 25. Et pourtant, la meilleure carte à récupérer, c'était Faerix. Il y a un moment où ce qui compte, c'est pas juste tout le temps de rajouter de la puissance, c'est de réfléchir à des setups.
par rapport à l'adversaire et par rapport à ce que l'on a. Tout à l'heure, quand on a joué sur Tamsin, c'était par rapport à ce que l'on a. Et là, c'était par rapport à l'adversaire. C'est violent, hein, cette compo.